vraiment en Vendée, par l'extrême sud. La baie de l'Aiguillon, c'est le dernier vestige de ce qu'était le marais Poitevin avant, c'est-à-dire un grand golfe maritime. William Chevillon est guide du patrimoine. Au-dessus de l'océan Atlantique, il débute le survol de monuments emblématiques de la Vendée. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut lire toute l'histoire de la Vendée en observant les châteaux et les logis. Une histoire qui commence à partir des guerres médiévales, se poursuit pendant les guerres de religion, jusqu'aux guerres de Vendée au XVIIIe siècle. William va partir de la côte et se diriger vers le nord-est du département. Il va survoler des édifices qui racontent que ce territoire s'est construit autour d'une longue succession de conflits. Quand on arrive de l'océan, on a un château qui nous raconte déjà cette histoire. C'est le château de Talmont. À quelques kilomètres de la mer s'élèvent les murailles de cette ancienne forteresse, renforcée au XIIe siècle par Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Il faut savoir qu'autour du château, il y avait toute une ville, il y avait une abbaye, il y avait des marchés, des foires, vraiment une activité économique et religieuse très importante, parce que Talmont-Saint-Hilaire, c'était un port majeur entre Nantes et Bordeaux au Moyen-Âge. William s'approche d'un autre monument. Le château de la Cantaudière témoigne de la guerre qui a opposé les catholiques aux protestants au XVIe siècle. En plein cœur de la Renaissance, on a décidé de rajouter, de construire des tours de fortification parce qu'on est en pleine période trouble en Vendée au XVIe siècle. Il y a les guerres de religion qui opposent les catholiques et les protestants. Les catholiques qui sont soutenus par le régime royal. Et bien souvent, on va avoir des châteaux qui vont se fortifier, soit d'un côté ou de l'autre, pour se protéger et faire la guerre. Un peu plus au sud, l'architecture du château de la Guignardière illustre elle aussi ce conflit. Son propriétaire, très proche du roi Henri II, était catholique. Ce château, c'est un peu un marqueur de l'histoire de la Vendée, parce qu'en 1563, en pleine guerre de religion, son propriétaire a été assassiné et les travaux stoppés pendant 200 ans. On a l'impression qu'il en manque un morceau, et au final, ça fait un mélange assez étonnant de style entre le Renaissance et le classique. En traversant le département vers l'est, l'avion survole le bocage vendéen. Un paysage hérité de l'époque médiévale. Les haies empêchaient alors les animaux sauvages d'accéder aux parcelles cultivées. On a des champs qui sont complètement délimités par des haies, par des arbres plantés par l'homme. La principale richesse de la Vendée à l'origine, c'était l'agriculture, avec la plaine, le sud Vendée, qui était extrêmement riche, avec beaucoup de production céréalière, et le territoire de bocage, avec une terre de moins bonne qualité, donc moins de production, et donc beaucoup plus de difficultés économiques et sociales. Ça explique en partie les guerres de Vendée. On arrive sur un logis qui est vraiment typique, le logis de Chaligny. Ici, tout est organisé autour de la cour. Les murs protègent le logis du propriétaire, les installations de la ferme, mais également les habitations des paysans.
savoir que le seigneur ici, il protège ses paysans. Et c'est un type de relation qui existe toujours en Vendée, parce qu'on a des entreprises familiales, parfois très grandes, qui entretiennent une certaine proximité entre le chef d'entreprise et les employés. En continuant son vol, le guide du patrimoine longe un autre édifice fortifié. Son imposant donjon carré culmine à 30 mètres de hauteur. On arrive à hauteur du château de Bazoges en Paré. Et c'est un château qui, miraculeusement, a gardé son donjon après les guerres de religion. Voilà, parce que Bazoges en Paré, comme l'ensemble du territoire, était une place forte protestante très importante. Le monument, fortifié pendant la guerre de Cent Ans, a été récemment restauré. Juste à côté du château, on peut apercevoir un pigeonnier du XVIe siècle. Et il faut savoir que le pigeonnier était très important dans les châteaux auparavant, puisque c'était des éléments de prestige. On pouvait savoir l'importance du seigneur au nombre de nids pour les pigeons. Et ici, à Bazoges, il y a dans ce pigeonnier 1980 nids pour les pigeons, donc le seigneur était très important. Là, on est complètement en dehors des sentiers battus. C'est vraiment toute la richesse du département qui se révèle quand on la voit du ciel. Amusant parce que quand on vient en Vendée, on n'imagine pas qu'il y a une densité de châteaux aussi importante. William Chevillon se dirige maintenant vers un autre édifice, religieux cette fois. Au milieu de cette campagne complètement reculée, on aperçoit le prieuré de Gramont. C'est un lieu qui est exceptionnel, qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des prieurés parmi les mieux conservés de France. On voit bien sa forme carrée, il y a très peu de fenêtres et aucune ornementation. Les moines vivaient ici, à l'écart de tout, avec un règlement vraiment très strict. Le prieuré a été sauvé de destruction pendant les guerres, parce que dès le XVe siècle, les moines sont partis et il a été transformé en ferme, tout simplement. C'est grâce à ça qu'on peut encore l'admirer aujourd'hui. Dans le haut bocage, les vallons marquent les contreforts du massif armoricain. Et nous arrivons au Mont Blanc de la Vendée, Saint-Michel-Mont-Mercure. Voilà le point culminant du département à 290 mètres. Sur le clocher de l'église, nous pouvons voir l'archange Saint-Michel qui domine la Vendée. Saint-Michel-Mont-Mercure, on trouve bien Saint-Michel comme au Mont-Saint-Michel, mais ça n'a pas la même statue, contrairement à une idée reçue. À Saint-Michel-Mont-Mercure, on a une réplique de la statue de la basilique de Fourvière à Lyon. C'est extraordinaire. C'est la fin du vol. L'avion s'approche du château de Saint-Mémin, une ancienne place forte aux confins du département. On voit très bien les douves et cette grande porte qui marque l'entrée du château. Avec le pont-levis, on imagine très bien la herse, cette grande grille de fer qui va descendre pour empêcher l'ennemi de rentrer.
et on voit encore très bien, quand on regarde le donjon, le chemin de ronde, les machicoulis, tout ce qui fait le système défensif et la force d'un château au Moyen-Âge. Le donjon, il est vraiment très haut. Il mesure 28 mètres. Il faut savoir qu'on mesurait l'importance du seigneur à la taille du donjon qu'il possédait. 28 mètres, c'est vraiment un des donjons les plus importants de la région. Donc le seigneur était également un des plus importants. Aujourd'hui, 600 ans après sa construction, la Grande Tour marque des signes de faiblesse. Ce matin, la directrice du château reçoit une architecte du patrimoine. Beaucoup de l'humidité. Elle est inquiète. À l'intérieur du donjon, de grosses infiltrations commencent à endommager les murs. Donc là, on est dans l'antichambre du donjon. On va rentrer dans la chambre. Et alors là, je vous laisse découvrir vous-même. Ah oui. Parce que c'est franchement... Moi, ça m'inquiète quand même. Hein. C'est en train de se développer. On voit toutes les verdissures sur les murs. Les enduits tombent. Tu as de la végétation qui se développe sur les maçonneries. Ouais. Et d'ailleurs, hein, regarde, Oui. Tu as même des enduits qui sont... Les enduits ont décollé. L'humidité a traversé les parois de 2 mètres d'épaisseur. Ouais, au moins de faire un visuel. Ah non, il est important d'intervenir, ouais. Au moins de diagnostiquer toutes ces parties-là. Non, mais même la chimie, c'est quelque chose d'assez impressionnant. La brique est une éponge. Elle réagit comme une éponge et donc, du coup, elle devient pulvérulente et elle se transforme en poudre. La pierre souffre, hein, ça c'est clair, la pierre souffre, le château souffre. Et donc moi, c'est vrai que ça fait 20 ans, enfin quasiment presque 30 ans aujourd'hui que je le vois, et j'ai vraiment pas l'impression aujourd'hui que... mon sentiment, c'est plutôt que la dégradation s'accentue. À l'aide d'un drone, l'architecte va maintenant inspecter la façade du donjon pour détecter les zones d'infiltration. Très vite, les images confirment les dégâts observés à l'intérieur. On aperçoit même des lierres. Enfin, il y a vraiment des énormes. Si tu peux venir ici et descendre sur cette zone-là. Juste au-dessous des machicoulis, Patricia a remarqué une traînée noire. Je me demande si les joints ne sont pas évidés, s'ils ne sont pas creux. Ces traces sombres montrent que l'eau vient du chemin de ronde. À l'origine, cette galerie était protégée par un toit. Pour le préserver et le pérenniser, il faut s'occuper rapidement des couvertures. Une protection va bientôt être étudiée pour repousser l'eau de pluie au-delà des murs du donjon, l'emblème du château de Saint-Mémin. On n'en a pas d'autres sur la Vendée, un tel château, ni dans les départements limitrophes. Il est intact depuis le 14e, 15e siècle. C'est un château sur lequel j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années pour en relever tout l'édifice, le dessiner. C'est effectivement un château qui m'est cher. C'est un petit joyau de l'architecture médiévale. Dans l'après-midi, l'architecte du patrimoine est sur la route, en direction de Fontenay-le-Comte. Elle est attendue pour un nouveau chantier dans l'un des plus beaux monuments du département. En Vendée, on est bien servi. Pourquoi ? Le patrimoine que l'on peut découvrir, il est au temps du XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en passant par le patrimoine du XVIe siècle, le XVIIe siècle, le XIXe siècle. Le XIXe siècle qui était une période où on a beaucoup reconstruit. Au XIXe siècle, on va construire un château plus grand, plus vaste, avec des espaces plus importants qui nous apportent beaucoup plus d'aise. Au château de la Flosselière, sur des bases médiévales et renaissance, les propriétaires ont fait percer en 1880 de grandes ouvertures dans le donjon.
Et ils ont fait construire une galerie entre la tour et l'aile est du château pour créer une grande salle de réception. Ces propriétaires au 19e siècle achetaient des domaines, faisaient construire leurs châteaux. Et ces châteaux étaient entourés la plupart du temps d'un très beau parc. Ça leur permettait de se promener et de prendre du bon temps. Aux Essarts, à la même époque, on a fait appel à des paysagistes très en vogue, les frères Buller. Les créateurs de l'un des plus beaux jardins de France, celui de la Tête d'Or à Lyon. Patricia Jonet s'approche maintenant de Vouvant. Cette cité médiévale, élevée dans une courbe de la rivière Mer. C'est une association du patrimoine avec la nature. C'est un village splendide, magnifique, avec une âme. Il n'y a qu'une route qui va la traverser et ensuite, à l'intérieur, elle se découvre à pied le long des remparts et à l'intérieur par les petites ruelles. La tour Mélusine, le dernier vestige d'un château fort, domine toujours la petite ville. L'église Notre-Dame, bâtie au XIe siècle, est l'un des plus beaux exemples de l'architecture romane du Bas-Poitou, avec son clocher octogonal. À la sortie de la petite ville, en allant vers le sud, la route traverse la forêt de Mervan-Vouvant. On commence à voir des scieries. Donc c'est l'exploitation du bois de la forêt de Mervan qui va exploiter beaucoup de chênes, en fait, parce que le chêne est typique dans cette forêt. Ce massif forestier est l'un des plus importants de l'ouest de la France. Son bois, d'une grande qualité, est utilisé depuis plusieurs centaines d'années. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il a servi à fabriquer les navires de la flotte royale. Patricia Jonet s'engage dans une vaste allée. Elle mène au château de Terre-Neuve, le plus grand monument Renaissance de Vendée. Je ne l'ai jamais visité, ce château. Il m'a l'air d'être splendide et le parcours entré sur le site est magnifique. Allez-y, c'est par là. Beau plafond à caisson. Hein. Oui. Oui, oui. Ce qui est absolument extraordinaire ici à Terre-Neuve, c'est qu'on a énormément d'éléments de décor et architecturaux de la Renaissance qui ont été remontés par Octave de Rochebrune au milieu du 19e. D'accord. Et donc, typiquement, on arrive dans ce grand salon magnifique avec des éléments de décor provenant du château de Chambord. L'architecte découvre la pièce la plus spectaculaire de l'édifice avec l'actuel propriétaire. Les éléments de décor ont été offerts à son aïeul, un célèbre graveur du 19e siècle, par le comte de Chambord. On a ces superbes soleils qui proviennent du château de Chambord et qui étaient dans la chambre du roi Louis XIV. Et ce qui est assez étonnant sur ces soleils, c'est qu'effectivement, non seulement ils sont dorés à la feuille d'or, mais en plus on voit qu'il y a des expressions de visage complètement différentes. Ouais. Ensuite, ici, on voit ce magnifique décor de théâtre. Oui, effectivement, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène en elle-même. Oui. On voit ce superbe fronton. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fronton, s'il pouvait parler, il a pu voir Louis XIV et Molière. Parce qu'en fait, ce décor avait été créé pour la première du bourgeois gentilhomme qui a été donnée à Chambord le 14 octobre 1670. D'accord. Au fond de ce grand salon, la cheminée Renaissance provient d'un autre château.
Elle a été entièrement démontée et transportée ici en 1883. Elle est exceptionnelle dans tous ses détails, cette cheminée. Toutes les parties hautes sculptées, les petites cariatides. C'est un élément unique. La légende raconte qu'une formule magique serait cachée à l'intérieur de l'ouvrage. On a ces deux lutins avec cette espèce de 4 au milieu. En fait, c'est une très forte symbolique alchimique. Et on a peut-être un bout de la formule pour transformer le plomb en or. Bonjour, messieurs. Après la visite, le propriétaire emmène Patricia dans l'ancienne salle à manger. Il est inquiet. Le parquet commence à s'affaisser. Il y a d'autres endroits où vous avez constaté... On a un autre endroit, en fait, dans le coin de la pièce. Là-bas, il y a exactement la même chose, où c'est un peu mou à partir du moment où on appuie dessus. Et on est en limite de bâtiment ? Enfin, on est en limite de mur ? Alors, on n'est pas en limite de mur, parce que là, on est un peu plus... Pour là-bas ? Et non, et pour là-bas, c'est, on est à peu près la même chose, à peu près 1 mètre. Ah d'accord, ok. Oui, donc moi, je pensais un peu à de l'humidité, des choses comme ça, mais... Mmh. On n'a pas le choix. Enfin, il faut ouvrir pour savoir ce qui se passe exactement sous ce parquet. Voilà. Pour faire un premier diagnostic, le menuisier découpe un élément de 50 cm carrés. C'est un parquet qu'on ne voit pas ailleurs. On voit les parquets en chevron, les parquets versaillais. Ce parquet-là, c'est un mélange. Sauvegarder en fait, ce parquet, c'est essentiel parce que ça fait partie un peu de l'histoire de la famille. C'est-à-dire que la maison est dans la famille depuis à peu près un peu plus de 200 ans maintenant, depuis 1805. Octave de Rangebrune est un de nos aïeuls. Donc évidemment, on va tout faire pour sauvegarder son œuvre. Bon, on essaye avec la caméra ? On essaye. Ça marche. Guillaume de Fontenoux a fixé une petite caméra au bout d'une perche. Grâce à ce système, Patricia va pouvoir inspecter à distance les dommages. Essaye de prendre dans l'angle. Mais l'angle, j'ai des pierres partout qui m'empêchent de... Alors, ce qui est beau avec ça, c'est que normalement, on peut zoomer. Et on voit que justement, c'est mangé. Très vite, il repère un petit monticule de poussière de bois. Une partie des chevrons tombe en miettes. Regardez. Ouais. Là, il y en a plein de ce côté-là. Ça, ce sont des morceaux de bois qui se sont détachés de l'aubier, qui est la partie la plus résistante du bois, et qui, par le fait qu'elle soit mangée, par les bestioles, se sont tout simplement détachés du cœur résistant. C'est pas lui qui est fatigué, c'est pas le parquet en lui-même, c'est sa structure sur lequel. Voilà, c'est ça. Il faudra peut-être les changer ou les renforcer pour restructurer l'ensemble. Le constat est plutôt positif. Les travaux peuvent attendre quelques mois. Depuis plus de 40 ans, seul le rez-de-chaussée du château est proposé à la visite. Baisse. Et à mon avis, celle-là... Le jeune propriétaire veut ouvrir de nouvelles salles. Ah oui, celle-là. Pour lui prêter main-forte, ses amis viennent régulièrement. Ce week-end au programme, la difficile manutention d'une pièce d'exception, un lit à baldaquin. Vas-y, ça passe 10 fois. Ça passe 10 fois ? Mais ouais. Tu vois pas ce qu'on appuie. Mon but, c'est d'attirer un maximum de visiteurs pour que le château soit à la fois attractif, mais aussi autosuffisant. De partager, il y a une notion de partage aussi, c'est-à-dire de partager finalement l'histoire de Terre-Neuve avec un maximum de visiteurs. Et dans cette notion de partage, finalement, les visiteurs, en se rendant à Terre-Neuve, font une opération un peu de, on pourrait dire, de crowdfunding direct, puisqu'en fait, ils participent à la sauvegarde de ce monument. Attention, on tourne. À bâbord. On fait une pause ? Ou vous êtes chaud ? Non, on est chaud. Ok, on est chaud.
Aujourd'hui, on va monter le lit, on va essayer de monter la cheminée. Et je pense que pour la journée, ce sera déjà pas mal. Ce meuble est l'œuvre de l'ancêtre de Guillaume. C'est lui qui, au 19e siècle, l'a dessiné, sculpté et décoré. Faut soulever. Pour l'occasion, c'est un ébéniste à la retraite qui assure le remontage. C'est la première fois que je manipule un lit de cette date-là. Et je suis heureux de pouvoir participer au remontage de ce lit. Il était très doué, je dirais, pour faire des sculptures comme ça. Et puis, les moulures, les... Bon, c'était très, très doué. Il faut quelqu'un pour les jeter, hein. Ils sont pas assez hauts. Attends, stop, attention là-bas. C'est bon? Voilà, là il est bon. Là je suis juste. Voilà, là il est bon. Stop, là. C'est bon. Quand on a un château, on est obligé d'être polyvalent. Il faut être à la fois électricien, plombier, décorateur, architecte, maçon, plâtrier. Guillaume aurait pu faire un autre choix, puisqu'il est marin et qu'il aime beaucoup la mer, qu'il aime beaucoup voyager, qu'il a déjà beaucoup voyagé, mais il a le goût des vieilles pierres. Je trouve ça formidable parce qu'il garde son job parce que c'est pas ça qui fera nourrir sa famille. Donc il va cumuler maintenant plusieurs tâches et c'est toujours un peu difficile. Il y en a un, je suis bien, l'autre, j'ai fait des bêtises. Non mais t'as pas des écrous plus longs ? C'est pas grave, je vais remonter les pierres. Dans un château, on a plein de travail en permanence. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Tout ça a un coût évidemment, donc on n'a pas forcément des moyens illimités. Et si on veut faire des choses et avancer, on doit en faire un maximum nous-mêmes. Et heureusement, on a les copains qui sont là et qui viennent le samedi et qui sont contents d'être là. Je vois rien. Il n'y a aucun mur de droit, aucun sol n'est droit. Tout est compliqué, quoi. Mais bon, c'est génial. C'est génial, il s'éclate. Je lui tire mon chapeau, parce que c'est un beau pari, un beau grain de folie, mais... Enfin, il n'a pas choisi la facilité, en tout cas. Donc, mais c'est tout à son honneur, donc c'est bien. Allez, on a bien mérité l'apéro. Allez, deux. Allez, à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, allez, santé. 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 Bravo, merci. Guillaume et ses amis ont encore plusieurs week-ends de travaux devant eux avant de terminer la chambre Rochebrune. Le lendemain, nous retrouvons Patricia Jaunet, l'architecte du patrimoine. Elle se rend dans un monument du XVIe siècle, un édifice privé et fermé au public, sur lequel elle va bientôt travailler. L'histoire du château de l'Aubrais se confond avec celle de la Vendée. Depuis 1790, il appartient à la famille Clémenceau. C'est ici que le tigre a grandi. Le propriétaire va lui faire découvrir la partie la plus émouvante. L'ancienne chambre de son aïeul, Georges Clémenceau. Donc, c'est ici qu'il vivait avec ses frères et sœurs, une grande partie de leur enfance. Il vivait dans ces différentes, différentes chambres. D'abord, il faut que je vous montre quelque chose. On l'a monté il y a deux jours et il est là depuis une semaine. C'est le berceau qui était à l'Aubrais et qui est le berceau non seulement de Georges Clémenceau, mais évidemment de ses cinq frères et sœurs. Extraordinaire. C'est assez amusant d'avoir ça. On faisait des grands berceaux. Hein. Ah oui, parce que ça, il est de taille. C'est parfait pour mettre dans une voiture. Alors Clémenceau a passé la plus grande partie de son enfance à l'Aubrais. Et encore une fois, on dit toujours que c'est un château, mais
pour eux comme pour nous, c'est notre maison, c'est là où on vit. Et quand on est à l'intérieur, ça ressemble à une grande maison. C'est pas cet immense château avec ces énormes pièces. Mais ça reste malgré tout un château, ce qui fait d'ailleurs que Clémenceau, plus tard, lors de ses grands combats contre les privilèges des uns et des autres, contre la grande bourgeoisie, contre la colonisation, aimait pas trop qu'on lui rappelle ce passé dans ce château, même s'il a toujours été très très attaché. C'est ici, au château de l'Aubrai, que s'est construit l'idéal républicain et anticolonialiste du futur président du Conseil. Son père, Benjamin, que l'on appelait dans la région le sans-culotte, était médecin et lui-même issu d'une famille de libres penseurs. Il était connu pour prodiguer des soins gratuits aux plus pauvres. L'ensemble de la construction intellectuelle de Georges Clémenceau, c'est à travers son père. C'est Benjamin Clémenceau qui va façonner vraiment son fils autour de ses grandes idées révolutionnaires. Clémenceau va avoir très très tôt ses idées de république avant tout, de démocratie, d'égalité, anticolonialiste. Il était entouré de livres, il était entouré de sculptures, beaucoup en plâtre, faites d'ailleurs par la famille elle-même, qui représentait et Robespierre et Danton. Et puis on en a très peu qui nous restent, comme regarde, celle-là, évidemment, c'est une Marianne, c'est la liberté, fraternité, égalité. Ça représente la France, ça représente la France, en tout cas, de la Révolution. Et c'est vraiment au sein de ces murs que Clémenceau a fait toute cette éducation. Patricia Jonet se dirige maintenant vers Saint-Martin-des-Noyers, au cœur du Bocage. Une opération périlleuse est en cours sur un chantier qu'elle suit depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, la nouvelle flèche de l'église va être posée. On va aller tous dans l'ascenseur, on y va ? C'est un moment très important. On est toujours ému de voir une charpente qui va se remonter. Cette église, on appelle ça le petit patrimoine non protégé. L'église n'est ni inscrite ni classée. C'est important pour une petite commune de pouvoir la préserver. On nous l'a transmis, on nous l'a légué depuis 1865, cette église. Donc il faut en prendre soin pour la transmettre après. Tout doucement, la charpente amorce sa descente. La pièce doit se poser sur des points d'appui très étroits, avec une précision millimétrée. Donc là, on a une charpente qui fait 5 tonnes qui arrive, là. Donc là, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, là, c'est une question de centimètres, voire de millimètres. Donc on est... là, on est au taquet, là. Vous avez peur ? Non, on n'a pas peur, parce qu'on sait que ça va bien se passer. Mais c'est toujours un grand moment parce que là on a quand même quelques heures de travail qui sont en train de finalement aboutir. Donc il y a toujours une petite appréhension, quoi. La fin de la descente est plus délicate. La flèche ne doit pas toucher les éléments de décor de la nouvelle maçonnerie. C'est bon. On est bien, les gars, on est bien. Ça y est, elle va prendre sa position. Allez, on fait en axe. Il reste plus qu'à 1m50. Ah bon, faudra que tu viennes d'abord. Olivier, tu peux y aller. Les quatre pieds doivent se poser sur le haut des pignons. Donc, ça doit tomber juste, normalement, dessus. Ah, c'est un travail de précision, là. Allez, on y va pour les 5 derniers centimètres, les gars. Là, c'est bien, là. On est tellement au millimètre que là, faut vraiment prendre le temps pour bien la centrer. C'est bon, on y va, les gars. Allez, en boule. Après une heure de travail, le nouveau clocher vient se placer sur son socle. C'est bon ? Ouais ! Bravo à tous. Bravo, Justin. Bravo à tous. Bravo. Bravo, les gars.
que l'Église reprenne la forme qu'elle avait avant, c'est très important. Et que les gens puissent de nouveau réentendre leur cloche sonner. Bon. Ça, ça va être important bientôt. Après. À une centaine de kilomètres plus à l'ouest, sur le littoral, le ferry qui relie le continent à l'île-Dieu quitte Port-Fromentine. La traversée va durer une heure pour parcourir les 25 km qui séparent la côte vendéenne de l'île Dieu. C'est royal des traversées comme ça, on aimerait en avoir tous les jours. Hein. C'est pas forcément le cas toute l'année. Quand il fait très mauvais, c'est pas facile du tout. On arrive même à annuler certaines traversées par moment quand il fait très mauvais. Patrice Cadou, le commandant du navire, connaît bien ce bras de mer qu'il traverse depuis plus de 20 ans. Au Moyen Âge, les Iliens lui ont donné le nom de Pont Dieu. Avec son haut fond, il est redouté pour les vagues qu'il soulève par mauvais temps. Selon une légende, au VIe siècle, l'île Dieu aurait été reliée au continent par le Pont Dieu. À l'époque, l'île était réputée pour être habitée par des démons. Et on racontait même que le diable en personne aimait bien y séjourner. Parmi les passagers aujourd'hui, deux restauratrices d'art. Elles regagnent leur chantier au cœur de l'île. On ne peut pas faire venir les peintures murales dans notre atelier, donc nous déplaçons aux peintures murales. C'est un désert de vacances, mais nous ne sommes pas en vacances. Nous allons bien travailler sur une île. On a vraiment l'impression de partir en mission. Pour le coup, ça fait vraiment une mission. C'est atypique d'avoir un chantier en pleine mer. C'est vrai qu'on est habitué la plupart du temps à se rendre sur un chantier avec la voiture ou avec le train, et là, ça change totalement, quoi. Ça donne un petit goût d'aventure. De l'insula. L'insula dans 3 minutes dans les passes. Le ferry atteint Port-Joinville, sur la côte est, la plus accessible. Les deux jeunes femmes travaillent ici, dans l'église de Saint-Sauveur. Cet édifice roman du XIe siècle vient d'être entièrement restauré. Lors des travaux, les maçons ont découvert un ensemble peint unique dans la chapelle sud. Pour l'instant, cette partie du monument reste fermée au public. Sur la voûte apparaissent près de 25 mètres carrés d'un décor vieux de plus de 700 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes arrivés sur le chantier, il y avait 8 couches de peinture qui venaient recouvrir le décor. Donc nous, avec un scalpel, pendant des semaines, nous avons mis au jour ce décor.
D'accord. Avant de se mettre au travail, Laure et Constance doivent d'abord reconstituer la palette médiévale. T'as la plus claire. Pour s'approcher au plus près des ocres des artistes du Moyen-Âge, elles utilisent des aquarelles très diluées. Au Moyen-Âge, les couleurs qu'utilisaient les peintres, c'était ce qu'ils trouvaient dans la nature. Donc c'était des ocres, c'était des terres qu'ils allaient ramasser dans la nature, dans des carrières d'ocre. L'idée, c'est de rajouter le moins possible de couleurs, juste en mettant 2-3 couches colorées, voilà, interrompues. On redessine en fait la deuxième main qui est derrière, et c'est l'œil qui, de loin, va faire la liaison et va dire au cerveau qu'en fait, c'est une main. Prendre du recul, toujours. Voilà. Avec du recul. Donc maintenant, je pense que les doigts, on les sent bien. Point par point, Laure et Constance avancent doucement. Chaque jour, elles ne font pas plus de 20 cm carrés. C'est un beau métier parce que c'est vrai qu'on travaille dans des lieux qui sont magnifiques la plupart du temps, sur des décors très anciens. Donc c'est comme si on traversait le temps. J'ai fait un petit peu de cheveux. Ah oui, il avait perdu un peu de ses cheveux là. Le père Dominique Rézeau est le curé de Lille. Il vient presque tous les jours rendre visite aux deux restauratrices. On va pas lui faire refaire tous les cheveux non plus. Hein. Vous savez. C'est une église très simple, hein, vous avez vu, c'est une église modeste, hein, une petite église. Et en plus, qui a été transformée au cours des siècles, qui a brûlé, qui a été occupée par nos amis les Anglais, qui ont brûlé la charpente, la foudre est tombée sur le clocher. Donc c'est un peu un miracle que cette fresque ait été conservée dans cet état. À sa découverte, l'œuvre était énigmatique. En étudiant avec précision chaque détail, le prêtre a commencé à relever des indices. D'abord la crosse d'un évêque, puis le mât brisé d'un bateau. On voit des personnages qui lèvent les mains comme ça. Et puis on voit cet évêque qui est là. Manifestement, ils sont devant l'évêque. On ne sait pas s'ils sont à genoux, quelle est leur position, mais ils sont sous la protection de l'évêque, ils sont en train de prier, de remercier. Ils sont dans leur bateau, on voit très bien la proue du bateau. Et ce sont ces marins qui ont été sauvés du naufrage et qui viennent remercier le grand Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est invoqué d'ailleurs sur toute la côte, non seulement en Vendée, mais sur toute la côte comme le patron des marins. Voilà. Donc c'est ça qui est émouvant, disons, de penser qu'il y a déjà 7-8 siècles, plus même... Saint-Nicolas était vénéré comme le patron des marins en difficulté. Ce qui est beau, c'est ce miracle de quelqu'un qui a sauvé les autres. Voilà. Donc ça peut avoir un sens aussi aujourd'hui. Au même moment, de l'autre côté de l'île Dieu, comme tous les soirs, une jeune agricultrice emmène son troupeau de brebis pâturer dans un site unique. Elles sont là. En surplomb de l'océan, sur la côte sauvage. Cet été, Émilie Sage forme une étudiante en agronomie. Donc tu vois le bélier qui est là. On le reconnaît, il n'a pas de cornes, hein, c'est pas des races à cornes. Donc il est seulement un peu plus gros, puis il a une tête un peu bombée, tu vois, changé comme ça. Lorsqu'elle s'est lancée en 2011, elle a choisi de réintroduire une race menacée de disparition, la soloniote. Non, hein. Par là. Allez, pousse-les. Ouais, mais m'écoute pas. Il en suffit d'une. Allez. Oh.
On a réfléchi un petit peu au type de race qui conviendrait le mieux sur l'île, sachant qu'on avait sur l'île une végétation un petit peu atypique. C'est pas comme sur le continent, des grandes prairies d'un seul tenant, avec de l'herbe bien grasse. Nous, ici, c'est des milieux un peu difficiles. Donc, il fallait des brebis très rustiques. Et la Solognotte, elle est une brebis rustique qui va bien valoriser les zones difficiles. Ouais. Ensuite, on avait quand même à cœur aussi de participer au maintien d'une race menacée. Après une vingtaine de minutes de trajet, le troupeau rejoint les falaises de la côte ouest. Il s'approche des ruines du vieux château. J'évite au maximum que les moutons s'en approchent. Et donc on reste toujours à une certaine distance pour pas qu'ils aillent abîmer les ruines. Et le vieux château, c'est un monument emblématique de la zone. Il aurait notamment inspiré Hergé pour l'île Noire. Cette forteresse a été bâtie au XIVe siècle pour se protéger des attaques anglaises. Émilie a passé toute son enfance sur les landes qui entourent ce monument. Son père était le dernier producteur d'agneaux de l'île. Lorsqu'il a cessé son activité, elle a décidé de reprendre le flambeau. C'était pas forcément une évidence tout de suite de revenir sur l'île. Peut-être aussi parce que quand on vit sur une île, on est quand même dans un vase clos. Et je pense qu'à l'adolescence, il y a un moment où on a envie aussi de découvrir le monde et voir autre chose. Et du coup, après, ben, on fait son expérience, on vit des choses. Et puis, il y a un moment où ben, on y revient, quoi. On se dit, mais ouais, c'est là où on se dit ben, peut-être partir pour mieux revenir. Et que finalement, ben, on y était vraiment bien hein, sur cette île. Biologiste de formation, Émilie a quitté le continent et un travail dans la communication pour créer ici une ferme bio avec son conjoint. C'était un projet de vie, se dire on va fonder notre famille, élever nos enfants sur l'île et puis reprendre un projet agricole qui nous tenait à cœur et qui, au-delà d'un projet agricole, était aussi pour nous un projet de territoire. Se dire que le dernier troupeau allait potentiellement s'arrêter, c'était quelque chose de triste quand même. Et donc, c'était pour nous un beau projet. On s'est dit, allez, on y va. Et on l'a fait. J'en profite. Le lendemain, la formation de son étudiante continue sur son exploitation. Puis il y en a plein des fraises. Hein. Du coup, bah, avec ces fraises-là, je me disais qu'on pourrait peut-être faire en partie des confitures. Et puis, du coulis de fraises, on n'en a plus trop là. Ça se désherbe assez facilement. Émilie Sage cultive des légumes et des fruits qu'elle vend en circuit court. Il y en a plein là. Enfin, ouais. Elles sont pas mûres, mais. Mmh. En ce moment, c'est la période des fraises, qui pousse sans aucun produit chimique. L'agricultrice a choisi de travailler en permaculture, une méthode plus respectueuse de l'environnement. Surtout quand tu désherbes, tu laisses bien la terre sur place, puisqu'on a fait des buttes, donc il ne faut pas exporter la terre. Et on laisse les mauvaises herbes sur la butte, comme ça sert de paillage. On remet bien la laine qu'on a utilisée aussi en paillage, c'est pour éviter que les mauvaises herbes poussent, du coup. Émilie a eu l'idée de récupérer la laine de ses brebis pour remplacer les désherbants. Dans la permaculture, rien ne se perd et chaque élément a son utilité. Tu
tu as vu que là, tu as des haricots verts. Ça capte l'azote de l'atmosphère et par les racines, ça va le renvoyer dans le sol. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces associations-là. Tu vois aussi, on a mis quelques salades parsemées parce que ça convient bien. L'association fraise-salade fonctionne aussi. Dans ces rangées, plusieurs espèces végétales se côtoient. On a notamment l'aubergine qui va bien se marier avec les haricots verts, qui sont des légumineuses. Donc, de fait, vont capter l'azote de l'atmosphère pour le retransmettre à la terre par les racines. On peut voir le basilic à côté, qui est une aromatique à la forte odeur. Avec cette odeur puissante, elle va repousser les insectes, les mouches, tous les insectes nuisibles. À côté, on a les œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, c'est une plante, une fleur très intéressante au potager. Parce que naturellement, elle va sécréter des substances dans le sol qui vont inhiber la croissance des nématodes. Alors les nématodes sont des vers ronds qui s'attaquent aux racines des plantes. Donc c'est bien d'en avoir dans le potager, un petit peu partout à la rigueur. En plus, c'est joli. En parlant de choses jolies, on a aussi les reines marguerites à côté qui n'ont pas de réel intérêt au potager, mais qu'on a planté parce qu'on en fait des bouquets et qu'on trouve ça joli. On a l'impression que ça pousse encore mieux quand c'est beau. Et ça fait plaisir quand on arrive le matin de voir ses buttes, de voir comment elles s'épanouissent, elles évoluent au fil des saisons. Et ça, c'est une notion qui est très très importante en permaculture aussi. Avant de venir, je ne connaissais pas du tout la permaculture. Je trouve ça intéressant au niveau scientifique de rechercher les associations des plantes. Et parce que plutôt que de leur apporter des engrais... Qui va abîmer le sol. Là, on cherche vraiment une solution en accord avec la nature. Forcément, ça fait vraiment sens de travailler en bio parce que franchement, je me verrais mal mettre des pesticides sur des terres aussi nobles et préservées, même si on y passe beaucoup plus de temps. La récolte du jour est terminée. Émilie et Laura rejoignent maintenant le laboratoire. C'est là qu'elle fabrique des tisanes, des sorbets et des coulis. Aujourd'hui, elles vont préparer 45 pots de confiture de fraises. En général, les gens chez eux, pour simplifier, font 1 kg de fruits, 1 kg de sucre, nous on met moins. Surtout que là, en bio, le sucre roux, il a un peu plus de pouvoir sucre, en fait. On a un plus de sensation de sucre, donc il faut quand même baisser. Pourquoi tu mets les fruits d'abord? Sinon, si tu mets le sucre en dessous, en fait, avec le feu, ça va caraméliser. Une bonne confiture, ça vient d'abord de la qualité du fruit. Donc, comme on est sur des fruits bio, de qualité, qui ont des parfums, qui ont beaucoup de parfums du fait de la luminosité sur l'île. C'est vrai que les fruits sont très très parfumés et donc ça joue aussi beaucoup sur la confiture. Ce qui est important dans les confitures, c'est d'avoir une cuisson suffisante pour que la confiture prenne, qu'elle soit pas trop liquide, mais en même temps pas trop longtemps non plus pour pouvoir conserver le parfum du fruit. Laura, on va regarder si les confitures sont prêtes, parce que tu vois, là, ça fait 3/4 d'heure. Tu peux me passer l'assiette? On va vérifier, en fait. On prend une assiette froide. Oui. Tu mets un peu de confiture dessus. Et en fait, si ça coule pas trop vite, un peu, là, tu vois, ça se fige, ça veut dire qu'elle est prête. Donc, on va pouvoir mettre en pot. Donc là, l'idée, c'est de bien fermer quand même et de retourner aussitôt. Le fait de retourner le pot, ça va stériliser la confiture, la couche d'air qui est entre la confiture et le couvercle. C'était plaisant, hein, Laura? Oui. De faire de la cueillette à la confiture. Après, au petit déjeuner le matin, t'es contente de manger ta confiture? Oui, c'est ce que je préfère, moi, la cuisine. Il est 17h. Comme tous les jeudis, Pierre, le conjoint d'Émilie, rentre de sa semaine sur le continent. Il a dû conserver son emploi d'informaticien, car leur exploitation ne permet pas encore de faire vivre toute la famille. Le couple se donne encore un an pour travailler ensemble sur la ferme. C'est pas du tout une évidence économique. Faut pas le faire pour ça, sinon c'est raté.
Donc il faut vraiment pas compter son temps, le faire par passion, s'épanouir dans son métier pour pouvoir tenir sur la durée. Parce que c'est des métiers très chronophages et bah, quand même peu rémunérateurs. J'ai peu d'occasion de m'échapper en fait. Dans les moments de doute, parfois, si ça peut nous arriver, on se décourage, les enfants disent « Non, c'est trop bien !» Ça nous arrive peu souvent, mais ça peut arriver. Et voilà. Et en fait, tout le monde est content et trouve son compte. Pierre a installé des ruches dans un site sauvage sur la côte ouest de l'île, près de la plage des Fontaines. Dès qu'il le peut, il vient s'assurer de la bonne santé de ses abeilles. Alors on va les prévenir, on va les déranger un petit peu. Tu vois celle-là ? Celle-ci, ouais, pourquoi elles sont... Regarde, elles sont en train de fermer l'entrée de la ruche pour se préparer à l'hiver. T'as vu ça ? Elle est née. Elles se sont un peu énervées là. Non, elles se sont un peu énervées en fait. Il y en a une. J'ai des abeilles depuis 7 ans. En fait, c'est vraiment un coup de chance. Je suis tombé sur un livre, le traité rustica de l'abeille. Et j'ai trouvé que c'était un monde assez génial qui était décrit dans ce bouquin. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des abeilles sur l'île Dieu. Et du coup, je me suis passionné pour ça. On voit, voilà, une jeune abeille qui est en train de naître ici sous nos yeux. Elle est en train de détruire avec sa bouche, finalement, la cire qui ferme sa cellule. Ah, mais regarde, attends. C'est génial. Non, une naissance d'abeille en direct comme ça, non, jamais. Ça y est, elle sort. C'est génial. C'est vraiment une passion. Au début, effectivement, j'ai acheté ma première ruche et dès la première année, elle a produit 12 kilos de miel. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas si facile de faire du miel avec des ruches sur l'île Dieu parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de fleurs mellifères. Du coup, on a une production qui est vraiment microscopique. Oui. Après, l'apiculture nous aide aussi beaucoup sur la pollinisation exactement, des fruits rouges. Exactement. Donc même si on ne fait pas trop de miel, ça, voilà, ouais. On se console comme ça, en se disant oui, qu'on a des exactement. Beaux fruits rouges. On a des beaux fruits rouges et puis c'est une activité qui est vraiment sympa en fait. J'aime bien accompagner Pierre sur les ruches. On vient de temps en temps avec les enfants quand on pique-nique à côté sur la plage. C'est sympa. Et dans ce cadre-là, en plus, c'est génial. Ah ben, c'est magique. En fait, on est au bord de la mer, c'est reposant. Quand les conditions sont réunies comme aujourd'hui, avec pas trop de vent, du soleil et juste le bruit des abeilles, c'est vraiment un endroit assez, assez magique. De la Vendée, une voiture emprunte le passage du Gouas. Une route unique en France qui n'est praticable qu'à marée basse. Elle relie le continent à l'île de Noirmoutier sur près de 4 km. On est dans un cadre magnifique. Il y a quelques heures à peine, la mer envahissait tout cet espace. Et isoler l'île, il était impossible de rejoindre l'île par voie terrestre. C'est très émouvant de reprendre cette route. C'est un passage que j'ai utilisé plusieurs fois. Et à chaque fois, le plaisir
de prendre cette route et te rendez-vous. Si je découvre l'île de Noirmoutier, on commence à distinguer les premières maisons qui sont noyées dans la végétation, dans les pins maritimes. Tout ce qui fait l'exotisme de l'île. Agathe Austin est passionnée par les villas balnéaires qui ont donné sa singularité à la côte vendéenne. Aujourd'hui, elle est attendue par le propriétaire de l'une des plus belles demeures de vacances. J'arrive dans le bois de la Chaise. C'est un écrin de verdure exceptionnel. Un coin un petit peu mystérieux. Remarquable, là aussi, où viennent se cacher les villas. Toutes différentes les unes des autres. Toutes plus belles les unes que les autres aussi. C'est un coin que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir toutes ces allées. Pendant 2 ans, l'historienne a patiemment établi un catalogue des villas vendéennes, comme ces maisons, à l'abri des regards, derrière leurs murs de végétation. On est toujours surpris de découvrir de nouvelles maisons, avec une nouvelle architecture, une nouvelle composition. On découvre pour chacune d'elles des petites particularités. On a envie de pousser les portes pour aller découvrir ce qui s'y cache derrière. Ici, chaque édifice est unique et chacun a son histoire. La Villa Émeraude a été bâtie en 1909 pour un joaillier parisien. À première vue, on dirait un chalet de montagne. Et finalement, on a une construction en pierre. On a quelque chose de tout à fait atypique et en même temps très représentatif de ces maisons dites maisons catalogues. Sur ce catalogue de la fin du 19e, des dizaines de maisons étaient proposées. Le propriétaire pouvait choisir en fonction de ses goûts, mais aussi de ses moyens. Par exemple, une maison bourgeoise avec son toit en pavillon, une autre d'inspiration normande, ou encore celle-ci, qui rappelle un petit palais italien. Enfin, l'acheteur pouvait faire ajouter sur la façade des détails décoratifs, dont la seule limite était son imagination. On découvre une influence Art Nouveau dans le cartouche qui porte le nom de la maison, l'émeraude. On découvre un décor de colonnes, quelque chose d'assez classique, mais qui est tout à fait contrebalancé par du végétal, des harmonies de couleurs assez douces. Et puis, cette maison, elle se trouve dans un écrin de verdure. C'est très beau. L'actuel propriétaire, Bernard Orliac, et l'arrière-petit-fils de celui qui la fit bâtir. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Ça fait plaisir de revenir ici. C'était la première villa que j'ai étudiée au cours de mes recherches. Oui. Elle m'avait énormément plu de par son aspect extérieur, hein, qui est exceptionnel. Et je me souviens entrer ici et découvrir ce décor, ces peintures murales, qui sont tout à fait exceptionnelles et rares, en fait, sur les villas c'est ici. C'est la seule villa où il y ait des peintures d'époque. On y découvre les pins maritimes, ces rochers, ce décor, ce paysage romantique qui rappelle un petit peu, qui évoque le romantisme de la fin du XVIIIe siècle, ce que venaient chercher les premiers estivants. Les peintures murales représentent des vues de Noirmoutier, avec une montagne, une excentricité du peintre qui reste encore aujourd'hui une énigme. Pas du tout ce que mon arrière-grand-père voulait.
Il voulait des paysages de l'île et en fait, lui, le peintre qui était arrivé avant, a peint un paysage que personne ne connaît et on ne sait pas où c'est. Alors, il y en a qui disent que c'est au Japon, d'autres dans les Alpes. Donc, on ne sait pas, en fait. C'est un contraste assez extraordinaire, moi, je trouve. Cette maison, c'est un vrai témoignage d'une époque, d'une façon de vivre, d'une façon de profiter aussi pour une classe aisée qui pouvait s'offrir des vacances au bord de la mer. Agathe quitte l'île et rejoint le continent, direction Fromentine. Ici, les maisons balnéaires plus modestes jalonnent la digue face à l'océan. Ce front de mer caractérise bien tout l'éclectisme de l'architecture du littoral vendéen. On y retrouve une grande diversité de façades. Toutes les maisons sont alignées vers la mer et pour autant, elles sont toutes différentes. La villa d'Arkoum a été commandée en 1930 par un militaire ayant servi plusieurs années au Maroc. On n'imagine pas que sur le littoral vendéen, il puisse exister des petites pépites comme celle-ci. Quand on se tourne vers cette villa d'Arkoum, on pourrait se croire au nord de l'Afrique. Une architecture assez épurée dans les couleurs et en même temps avec des formes très recherchées, très alambiquées. Un jeu aussi sur la mosaïque, des choses qui sont très courantes en Afrique du Nord. On voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. On entre un petit peu dans l'intimité aussi des propriétaires. On découvre leurs goûts, leurs expériences de voyage, les souvenirs qu'ils ont pu en conserver et qu'ils ont souhaité rapporter et inscrire ici dans la pierre. Quelques kilomètres plus au sud, Agathe atteint Saint-Jean-de-Mont. Son enfilade d'immeubles qui s'étire le long d'une immense plage de sable raconte une autre période de l'architecture balnéaire, celle des Trente Glorieuses. Après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme de masse explose et on commence à manquer de place sur le front de mer. On va donc construire des immeubles qui permettront de loger beaucoup plus de monde et permettre à chacun d'avoir une vue sur la mer. Dans les années 60, les vacances au bord de la mer se démocratisent. Pour accueillir des milliers d'estivants, on construit à Saint-Jean-de-Mont toujours plus vite et toujours plus haut. La résidence arc-en-ciel, avec plus de 400 appartements, est un symbole de cette époque de frénésie immobilière. Cet immeuble, il est unique. Il a beaucoup étonné au début. C'était assez audacieux comme architecture. On a des formes très géométriques, des choses qu'on ne retrouvait pas avant dans les villas qui étaient destinées à la bourgeoisie. Là, on change d'architecture parce qu'on change aussi de classe sociale. On a parfois des espaces un petit peu plus réduits, mais comme les appartements ouvrent sur la mer, on a ce prolongement et finalement, le jardin de ces appartements, c'est la plage elle-même. C'est surtout une architecture très fonctionnelle. On ne cherche plus à faire dans l'esthétique, on cherche à faire utile, simple et accessible au plus grand nombre. On ne peut pas parler d'architecture belle ou moche ici. Ça dépend des goûts de chacun. À la sortie de Saint-Jean-de-Mont, les premières dunes apparaissent. Agathe continue sa route en longeant le littoral. Après des kilomètres de plage, le paysage change. Les falaises de schiste et de grès
remplace le cordon du nerf. J'adore parcourir cette route. Elle suit la corniche. C'est une route un petit peu sinueuse. On se retrouve entre les façades des maisons et la mer. Et là, une curiosité à Saint-Hilaire. Cette maison qui a une toiture quand même très atypique, mais qui rappelle des maisons qu'on retrouve en Alsace. Cette inspiration alsacienne sur une villa de bord de mer, c'est vraiment très rare. Depuis le début du phénomène balnéaire, ce qu'on vient chercher, c'est cette vue sur la mer. Ce qui peut s'exprimer différemment, on peut avoir des balcons, des terrasses, des belvédères. Sur la route de la Corniche, se dévoile la diversité de cette architecture. Les propriétaires ont joué avec le nom des maisons, avec les volumes, avec les matériaux et avec les époques. Ici, les architectes se sont beaucoup amusés et ont laissé libre cours à leur imagination. Les propriétaires leur faisaient confiance et leur demandaient souvent une seule chose, c'était leur offrir une architecture qui leur permette de s'évader. L'une des plus remarquables est la villa Les Marguerites. On trouve des influences Renaissance, des choses très classiques avec ces balcons à balustres en pierre. Hein. C'est quelque chose de très fort qui rythme bien la façade de la maison. Et puis ce jeu de polychromie qui est possible avec l'utilisation de la céramique. C'est quelque chose qu'on va très souvent rencontrer sur le littoral vendéen. Qui marque l'architecture balnéaire. Au Bois Vinet, Agathe s'arrête devant une maison emblématique. Cette maison, qui date de 1888, c'est la première qui a été construite. On joue sur l'alternance de la brique et de la pierre. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les maisons de villégiature balnéaires à partir de la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Cet édifice a une histoire, celle d'un médecin, le docteur Abellanet. En 1888, il fut l'un des premiers à croire aux vertus de l'eau de mer et créa ici un centre de cure thermale. Les malades étaient soignés dans les deux bâtiments attenant à la maison principale. L'eau de mer était chauffée pour soigner les curistes. L'architecture balnéaire, c'est aussi une mise en scène, il y a une théâtralisation importante. Le propriétaire souhaite se montrer, mettre en avant son statut, montrer qu'il a réussi dans la vie et qu'il peut nous offrir une maison en bord de mer. Sur un site privilégié. Un peu plus loin, Agathe est attendue dans cette villa d'inspiration grecque. L'une des dernières construites sur le littoral vendéen. Ouais, c'est superbe cette maison. Ce sont des couleurs qu'on retrouve un petit peu quand même dans le coin, notamment dans les îles. C'est ce blanc qui se marie au bleu. Elle me fait penser un petit peu aux maisons qu'on voit dans les îles grecques, les ouais. Cyclades. Ouais, exactement, parce qu'on reprend un certain code d'architecture qu'on peut voir sur le bord de mer, sur les îles comme l'Île-Dieu, Noirmoutier, avec des maisons très blanches, avec des volets de couleur. Par contre, c'est sûr que le fait d'avoir des toits plats, c'est là que ça dénote un petit peu... Ça, c'est un petit peu curieux. Et j'imagine que ça a dû attiser aussi un petit peu la curiosité des voisins. Comment ça a été perçu, la construction de cette maison? Beaucoup de curiosité, ouais. Beaucoup de gens surpris de voir quel était vraiment le projet. C'est vrai que
lors de l'élévation en maçonnerie, ça faisait toujours ça faisait un gros bloc. Et puis bah, maintenant, le fait d'avoir des pergolas, de la couleur, bah, ça apaise naturellement. Et puis bon, bah, ça donne l'état d'esprit de ce qu'on voulait faire. Ouais. Je la trouve incroyable, cette maison. Et on ressent une grande liberté de construction. Cette envie de voyager, cette envie d'évasion et vivre en toute simplicité, sans se poser de questions, sans les contraintes du travail, ce sont les vacances en fait. Direction le sud-est du département, vers Fontenay-le-Comte, l'ancienne capitale de la Vendée. Le centre-ville est un joyau de la Renaissance. Il s'enroule autour de l'église Notre-Dame. Alors on est au cœur de Fontenay-le-Comte et c'est ici que tout a commencé. La fontaine des quatre tias pour quatre tuyaux d'où sort l'eau en continu depuis 1542. C'est une des premières fontaines classiques de France. On le reconnaît au décor, marqué par un fronton et différents motifs qui nous rappellent l'Antiquité. Cette fontaine est devenue le symbole de la ville. C'est elle qui lui donne son nom, Fontenay. Sur cette fontaine, il y a la devise de Fontenay-le-Comte, Fontenay, source jaillissante des beaux esprits. Parce qu'il faut savoir que la légende raconte qu'à cette fontaine se réunissaient de grands humanistes comme François Rabelais, qui a créé le personnage de Gargantua, mais également des scientifiques, des juristes, des philosophes. Ces façades témoigne de la prospérité économique de Fontenay-le-Comte. On peut imaginer derrière ces grandes arcades des commerçants, des artisans qui font la vitalité économique de Fontenay-le-Comte. On a ici des draperies, des tanneries, une activité économique vraiment riche qui a marqué la ville et son architecture. Les marchands et les artisans se sont fait bâtir des maisons richement ornées. Dans la rue des Loges, William connaît une demeure à la décoration exceptionnelle. Alors cette façade, elle est vraiment surprenante. C'est la maison Millepertuis. Millepertuis, ça veut dire mille trous en ancien français. Alors on a la pierre calcaire qui est assez caractéristique du sud Vendée, mais on a surtout le décor composé essentiellement de petits trous un peu partout sur la façade et qui donne un rythme à l'architecture. Et si on regarde ici, on a ce visage qui est sculpté dans la pierre, à la fois pour montrer la richesse des habitants, mais également comme pour chasser les mauvais esprits. Comme on est dans une période de renouveau culturel, on va faire en sorte d'avoir une architecture qui soit la plus avant-gardiste possible. Et cette maison, pour l'époque, à Fontenay-le-Comte, elle dénote vraiment. Il y a cette petite touche de folie, de gaieté qu'on ne trouve pas habituellement dans l'architecture. Donc là, on arrive à la maison Billot, un des joyaux de la Renaissance de Fontenay-le-Comte. Ici, la bonne clé quand même. Un officier de l'administration royale a préféré la discrétion. Hop, et on y arrive. Dans le corridor d'entrée se cache un premier trésor. Là, dans ce couloir, il y a trois caissons. Et quand on regarde un petit peu les détails, on se rend compte qu'il y a des motifs qui s'enroulent comme du cuir que l'on découpe. C'est directement l'inspiration du château de Fontainebleau qu'on va retrouver un peu partout en France au XVIe siècle. En sortant du couloir, on arrive sur la cour et on tombe directement sur cette façade qui est un des plus beaux éléments de la Renaissance à Fontenay-le-Comte avec cette symétrie et ce fronton triangulaire. Cette façade, elle s'inspire directement du pavillon du roi au musée du Louvre. Ça symbolise à la fois la richesse, mais également l'inspiration de l'Antiquité qu'on essaye de mettre en avant le plus possible à la Renaissance. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette façade, c'est justement qu'on ne la voit pas du tout de la rue et elle se révèle complètement quand on est en plein cœur de la maison Billot.
C'est quelque chose, un joyau complètement caché à Fontenay-le-Comte. Fontenay, c'est la capitale historique de la Vendée. Mais tout ça, ça s'est arrêté après la Révolution, où la ville a perdu son statut de capitale au profit d'une nouvelle cité à 60 km de là, à La Roche-sur-Yon. William se dirige maintenant vers cette nouvelle capitale créée au 19e siècle. La route actuelle suit fidèlement le tracé voulu par Napoléon pour désenclaver le sud de la Vendée. En chemin, le guide du patrimoine traverse Luçon, le centre du pouvoir religieux. C'est ici que Richelieu fut nommé évêque. La cathédrale de Luçon, c'est une des rares de France à avoir une façade classique. C'est-à-dire qu'après les guerres de religion, on a voulu trancher avec le style traditionnel, le style gothique. Donc on a fait une façade moderne, un petit peu pour marquer le renouveau de l'église. Après Luçon, William roule dans la plaine du Marais Poitevin. Ces terres, autrefois recouvertes par l'océan, ont été aménagées à partir du Xe siècle. Plus loin se détache La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, c'est la nouvelle capitale de la Vendée, la ville nouvelle créée par Napoléon en 1804. Sur la place centrale se dresse l'église Saint-Louis. Avec ses proportions démesurées, elle est l'emblème de cette cité, voulue par l'empereur. William a le privilège d'accéder au sommet de ce monument, interdit au public. D'ici, il a une vue imprenable sur la ville nouvelle. On sort des guerres de Vendée et Napoléon a compris l'extrême pauvreté du territoire, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes politiques et religieux. Il va décider tout simplement de centraliser les institutions, de pacifier le département, donner aux Vendéens tout ce qui n'existait pas jusqu'alors. L'église domine la place Napoléon, le cœur de la cité. C'est une place qui est monumentale par sa taille, mais pas par ses bâtiments qui ne doivent pas impressionner les Vendéens. D'où l'architecture vraiment très sobre. On n'est pas du tout dans le style Empire. C'est vraiment l'architecture la plus simple, inspirée de la philosophie des Lumières. C'est une place qui est conçue comme un lieu de lien social où doivent se rassembler tous les bâtiments publics pour que les citoyens, pour que les Vendéens, quand ils viennent dans leur préfecture, trouvent tout ce dont ils ont besoin ici. Pour construire plus vite la ville et ses monuments, on a fait appel à des ingénieurs des ponts et chaussées, et non à des architectes. Là, on va tout simplement visiter la charpente qui en dit long sur la construction. Hop là. Hop. Cette charpente, elle est vraiment très massive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de bois par rapport à ce qui se fait habituellement pour les bâtiments de cette envergure. Les ingénieurs, ils ne sont pas formés pour construire des églises. Habituellement, ils construisent des ponts, des routes. Et ce bâtiment-là, c'est leur principale erreur à La Roche-sur-Yon, parce qu'ils ont voulu aller vite et bien, mais ils ont fait une charpente beaucoup trop lourde. Ils ne vont pas calculer la répartition des forces, des tas de choses que font les architectes habituellement. Et la charpente va peser complètement sur l'église et les murs menaçaient de s'effondrer. En urgence, les ingénieurs ont dû bâtir des contreforts et deux chapelles attenantes pour consolider l'église Saint-Louis. La première fois que je suis rentré ici, j'étais complètement impressionné. Quand j'ai vu cette charpente, je me suis dit, mais comment ça peut être possible? Habituellement, quand on voit des cathédrales, des charpentes, etc., c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux. Ici, c'est très massif et on voit tout de suite que ça pèse.
frappe ici, c'est que c'est une église qui est complètement démesurée par rapport à la taille de la Roche-sur-Yon à l'époque. On a un bâtiment qui est beaucoup plus large qu'une église ou qu'une cathédrale ordinaire. On n'a qu'une sensation d'immensité dès qu'on rentre à l'intérieur. Si on cherche les symboles religieux dans le bâtiment, finalement, il y en a assez peu. Les décors ici, c'est principalement du trompe-l'œil. Quand on enlève le chemin de croix, la chaire à prêcher, l'autel, etc., on peut imaginer vraiment tout type d'usage pour cette église. Ça peut être une halle de commerce, un tribunal, n'importe quoi, mais pas une église. L'édifice rappelle les basiliques romaines construites pendant l'Antiquité. Comme elles, il a été conçu pour abriter également des activités commerciales, financières ou judiciaires. Cette église, je la trouve vraiment impressionnante. Moi, ce qui me marque ici, c'est le rythme qu'il y a dans les colonnes de style corinthien, cette espèce d'entablement, cette frise de pierre absolument énorme qui rythme tout le bâtiment et qui lui donne toute sa grandeur. Au pied de l'église, la place a retrouvé une nouvelle jeunesse depuis 2013. Le vaste parking a disparu, remplacé par des bassins entourés de verdure. Des automates rappellent aux visiteurs les animaux observés par Napoléon lors de la campagne d'Égypte. La place Napoléon, c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup à La Roche-sur-Yon. C'est le lieu où on a envie de se promener, le lieu où il y a ces bassins, ces animaux, et ce lieu où la nature est complètement revenue en ville. L'autre monument majeur de la ville est le théâtre municipal. Avec sa façade d'inspiration romaine, il rappelle les codes architecturaux voulus par l'empereur. Là, on est en pleine répétition, c'est le conservatoire qui prépare son prochain spectacle. Ça me plaît vraiment. C'est un décor qui n'a pas bougé depuis la fin du 19e siècle. On est dans une vraie petite salle à l'italienne avec justement ces balcons qui permettent d'avoir des jeux de regard en fonction du positionnement qu'on va avoir dans la salle. Les gens, ils vont au théâtre pour voir les autres gens et se montrer aux autres gens. Pas forcément pour regarder une pièce de théâtre. Une des grandes particularités de ce théâtre, c'est sa forme. On a un fer à cheval, comme les théâtres à l'italienne, mais ici, en plein milieu, on a un cylindre parfait, une caisse de résonance complètement équilibrée. Et certains artistes qui viennent ici parlent de ce théâtre comme étant un de ceux avec la meilleure acoustique. Dans le nord-est du département, dans le Haut-Bocage, à Pouzauges, une association est à l'origine d'une première dans la région. Le Jardin des Puits a créé ici une exploitation agricole singulière. Dans cette ferme, on aide les chômeurs de longue durée à reprendre pied en les formant au maraîchage bio. Tous les produits qu'ils cultivent sont vendus en circuit court. C'est la jungle là-dedans. Ouais, c'est clair. Ça y est, champion. Ça, c'était du remède. Andrea Bossard a 25 ans. Merci. Elle vit avec son conjoint et leurs deux enfants, tout près du Jardin des Puits. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas travaillé depuis ma première grossesse.
On est suivi ici, on a pas mal de soutien. En 5 mois et demi, j'ai appris, j'ai découvert plein de choses. Ça me fait du bien d'être là, de voir d'autres gens, avoir un salaire tout simplement. Je suis fière de moi. Ce matin, Andrea apprend à désherber les courgettes sans les abîmer. Mais par contre, entre les plants, Jean-Yves, vaut mieux attraper l'outil. Hein. Regarde. Là, tu casseras rien. Hein. Ouais, j'ai peur d'abîmer les feuilles. C'est pas grave. Faut bien enlever les racines de la terre, sinon ce qu'on fait, ça sert à rien. Ça va repousser à une vitesse pas possible. C'est pour rendre propre au maximum et libérer le plan de courgettes. La chose principale qui se passe ici, c'est la reprise de confiance en soi. Il y a des super belles histoires ici. On a des histoires de personnes qui, en ressortant d'ici, trouvent un travail, on fait une formation, et puis on remet pied à l'étrier, et puis la plus belle des manières. Quoi. Donc c'est une des récompenses. Ça sera bon. Grâce à l'association, Andrea va bientôt devenir boulangère. Ça sera pratique aussi. Elle a déjà appris à faire du pain. Et aujourd'hui, elle va s'exercer à la fabrication de la brioche vendéenne. L'alvure, c'est fonction du temps qu'il fait. Son formateur, Maurice Blanchard, est un pâtissier réputé dans la région. 40 grammes, on va mettre 35 grammes. Les œufs, 1 litre, environ 18. Et l'eau, 500 grammes. Voilà. La brioche, j'avais vraiment envie d'apprendre à en faire. J'apprends pas avec n'importe qui. Maurice, c'est celui qui fait la meilleure brioche de Vendée. Donc je pense que c'est un gros plus pour moi de pouvoir faire ça avec lui. Donc je suis très heureuse d'être avec lui aujourd'hui. J'aime beaucoup transmettre. Et c'est vrai qu'avec les jeunes qui sont ici, c'est intéressant de pouvoir leur transmettre notre savoir. Voilà, tu peux mettre ton sel. Mets ton pétrin en route. Alors là, je vais te donner une petite astuce. On ne va pas mettre tout à fait toute l'eau d'un coup. Le fait de ne pas mettre l'eau d'un seul coup, tu verras que ça va te donner un résultat différent. C'est-à-dire que tu auras une pâte qui sera beaucoup plus élastique, qui sera beaucoup plus, qui se tiendra davantage pour aller en cuisson. D'accord, hein? D'accord. C'est parti. Je vais essayer de m'entraîner chez moi. Ça donne envie. Voilà, alors maintenant, c'est une phase importante qui va suivre. On va la faire donc fermenter pendant une douzaine d'heures. Maurice a apporté une pâte déjà fermentée pour la leçon. Hier, et qui a 12 heures de fermentation. On a tous nos astuces personnalisées sa brioche. Il y en a qui mettent de la fleur d'oranger, il y en a qui mettent de l'eau de vie. Moi, mon secret, c'est la fermentation. C'est bien pour l'instant ? Très bien, très bien. Ça vous donne faim ? Ça me donne faim, oui. Là, t'as vu, je prends celle du milieu, je la ramène ici. Voilà. Et voilà. Toujours du centre. Hop. Voilà, c'est bien. Alors, je la mets bien au milieu. Oui, voilà, tu la mets, oui, bien au milieu. La brioche va cuire pendant 3/4 d'heure. Pendant ce temps, à côté du four, c'est l'affluence dans le petit marché du vendredi. Chou pointu. Les apprentis maraîchers vendent les fruits et légumes de saison qu'ils ont cultivés. Alors j'ai une laitue, j'ai des carottes, des patates, puis je sais pas trop ce que c'est. Un chou pointu. Un chou pointu. Pourquoi vous venez faire vos courses ici? Bah c'est de qualité. Et puis c'est bio, et puis c'est très bon. Ce voisin venu en famille est un habitué. Là. 6, 7. Je suis à moins de 150 mètres. C'est histoire de faire vraiment du local. Quoi. Moins de transport, moins d'essence, et puis ben, au moins on sait où va notre argent. Oui.
Chez nous, on n'a pas de jardin, donc c'est comme si on avait un jardin. On a plein de bonnes raisons de venir ici. Et puis, on choisit pas les légumes parce que c'est des légumes de saison, donc on mange au moins des légumes d'actualité, enfin, les légumes d'hiver, l'hiver, les légumes d'été. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. À plus. Elle est belle. Après 45 minutes dans le four. Et voilà. Et on va vérifier sa cuisson. La brioche d'Andrea est prête. Ça va prendre là. Tu vois ? C'est moelleux, hein ? Ah bah oui, c'est moelleux. Elle est très bien développée, donc tu vois. Mais c'est le beurre qu'on sent. Voilà, donc elle est moelleuse. Elle est vraiment... Ouais. Si elle se détache bien comme ça, si tu veux, c'est un signe que ta pâte a été bien réussie. Tu peux la déguster, si tu veux. Je veux bien goûter. Vous allez nous dire, c'est vous allez nous dire si elle est bonne. Le parfum du gâteau a attiré des clientes du marché. Il n'y a pas de surprise, hein ? Compliment, hein ? C'est Andrea qui l'a faite. Bon, bien. Compliment. Félicitations. Elle est trop bonne. Elle est vraiment belle. Elle reste ferme, quand même. Elle a pris la main du maître. Je crois qu'on peut que les encourager à progresser dans leur réinsertion. Et puis, Andrea, on lui souhaite après, pourquoi pas, de partir dans la boulangerie ou pâtisserie, si elle y trouve sa voie. Le lendemain matin, Andrea quitte son domicile. Elle est attendue à quelques kilomètres de là par des bénévoles. C'est avec eux qu'elle va démarrer sa nouvelle vie de boulangère. Aujourd'hui, je vais découvrir mon nouveau lieu de travail. Donc, je suis très enthousiaste, je suis pressée de voir tout ça. En travaillant au Jardin des Puits, j'ai beaucoup évolué. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis prête pour une expérience comme ça. Je sais que c'est que du positif qui m'attend, donc je suis très contente. Sur les hauteurs de Pouzauges, la jeune femme retrouve Maurice le pâtissier. Bonjour. Bonjour Andrea. Et des membres de l'association, les amis des moulins du Terrier-Marteau. Ces passionnés ont remis en état les moulins jumeaux de la ville. Ils ont choisi Andrea pour fabriquer du pain avec le four à bois qu'ils ont réparé. Tu dis quand ça passe ? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ouais, c'est bon. Il pose les ailes pour remettre les moulins en route. Appuyez un petit peu, Laurent. Si tout va bien, le site accueillera bientôt ses premiers visiteurs. Tu peux lâcher, Laurent, lâche. Hein. Lâche tout, Laurent. Encore. L'opération est délicate. Chaque empennage pèse 400 kilos. C'est bon, ça, voilà. Ça va pas. C'est incroyable, la manière de faire, de poser les ailes, c'est spectaculaire. Je suis très contente d'être ici pour voir tout ça. On est un petit peu juste en hauteur. Les moulins, ça a toujours été quelque chose qui rassemblait les personnes. Ils se regroupaient, ils venaient boire un petit coup avec les meuniers et tout le monde dansait le soir, c'était la grande fête. Tire, tire, tire. Les deux édifices menaçaient de s'effondrer. T'es rendu ? Attention. Jusqu'à ce que le groupe de bénévoles décide de leur redonner vie. Après la Révolution, chaque moulin servait de moyen de communication aux paysans insurgés contre les républicains. Lorsqu'il était en jambe de pied gauche, ça voulait dire qu'il fallait reculer. Ah oui, et lorsqu'il était positionné à l'inverse, ça voulait dire d'arrêter. Hein? OK. Donc, et après, donc, rassemblement, quand les ailes étaient comme ça, c'était rassemblement. Ce qui a quand même valu au moulin d'être détruit en 1794. Après 4 heures d'efforts, les deux édifices ont retrouvé leurs ailes et vont de nouveau pouvoir tourner. C'est bon, vous pouvez aller pousser. Allez, vas-y,
Allez les gars, poussez. Les gars, le but c'est de mettre les vergues, du moins les ailes du moulin, face au vent. Sinon il tournera pas. Donc vous poussez gentiment. La mécanique est grippée. La tâche est un peu plus compliquée que prévu. On peut pas trouver une autre solution. Vas-y, vas-y. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ça marche plus. C'est quand même moins dur. Vas-y, Jean-Marie, continue, continue. Très bien. C'est parfait comme ça. Allez, ça va marcher, ça va tourner là le moulin. Venez, venez. Allez, c'est parti. C'est parti là. Ah, il y a du vent. Ah, bien pris. Ben oui. Hein? Oui. Attention, chapeau qui s'envole pas. Mais allez, on. Hein? C'est émouvant, c'est grandiose, c'est beau. Je crois qu'on va avoir du pain sur la planche. C'est exceptionnel aujourd'hui qu'il puisse être mis en route. C'est beau à regarder, à voir. Oui. J'imagine les gens trop fous. Je suis désolé. Bravo, Jean-Paul. Les moulins tournent et la minoterie va reprendre du service. Pour Andrea, l'aventure peut commencer. Elle découvre le mécanisme avec Jérôme Emery, boulanger et membre de l'association. Elle actionne les pignons. Il y a l'arbre qui actionne tout ça. Et ça, en dessous, ça actionne les meules. Ça bouge beaucoup. On a l'impression que c'est pas solide du tout, alors que ça l'est. Mais et beaucoup, beaucoup de bruit. Ah oui. On a l'impression de faire une régate en bateau où ça bouge ça. Toujours. C'est un peu ça, oui. Donc là, je vais accrocher le sac de blé au rez-de-chaussée. Et là, je vais le monter tout doucement. J'ai une courroie, je vais l'attendre et ça va monter le sac. Passer là. L'artisan a préparé un sac de blé pour un test grandeur nature. Je revis avec ça, hein. Avec l'odeur, avec le bruit, le mouvement. On a l'impression d'être dans un bateau. Et la voilure est là, c'est le vent qui nous fait tourner comme dans un bateau. On est heureux. Au rez-de-chaussée, apparaît la première farine produite par le vieux moulin. La bluterie, d'accord. Donc c'est là où descend la farine qu'on a broyée là-haut. Là, on a de quoi faire du bon pain avec ça. Puis, direction le four. Là, le four, ça fait déjà deux jours, trois jours même qu'il chauffe. Donc là, il est bien chaud, on va retirer les cendres. Le boulanger a préparé une première fournée. Après, comme on n'a pas de thermomètre... Mais dans quelques jours, Andreas sera seul maître à bord et sortira ses premiers pains. On fait comme ça avec une... Voilà. Et là, on est parti. Vous avez cette odeur de pain. Fais voir, je te fais un exemple. Tu vois, il y a une tac, tac, tac. Trois dans un sens, trois dans l'autre. Plus tu fais vite, mieux c'est pour la pâte. Ça ne fait pas dégonfler. Ça me fait pas peur. Je suis confiante et je pense qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc, j'ai pas de crainte. Ça permet aux gens de se faire. Ah, je mets là ? Oui, c'est pas bien. Oh, il a une belle fille. Mais oui, ah, c'est bon tout à l'heure. Puis de ce matin. Ce pain est extra. C'est vraiment, il est génial. On n'a même pas besoin de manger autre chose. Oh, mais il a beaucoup de goût. Je pense que c'est le fait qu'il soit cuit au feu de bois. C'est. La croûte est. Elle embaume le palais. Non, impeccable. Une croûte fine, une mie grasse, crème, impeccable. C'est
C'est la recette du bonheur. Voilà. Il manque que du beurre demi-sel, et puis là, là, avec une rillette, et puis on est bon. Je savais pas que je voulais être boulangère un jour. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, j'aurais pas cru. Et donc, voilà, je suis contente de pouvoir faire tout ça. Et Laurent, prends les cassons, s'il te plaît. Là, on boucle la boucle, c'est le cas de le dire. On part du grain, on arrive jusqu'au pain. Génial, on est heureux. Derrière ces collines, l'association Chemin de fer de la Vendée se mobilise pour sauver un autre patrimoine. Ces bénévoles protègent l'ancienne ligne qui reliait les Herbiers à Mortagne-sur-Sèvre jusque dans les années 80. Ils y font rouler des wagons d'exception, ceux de l'Orient Express qu'ils remettent à neuf. Ce matin, ils font des essais avec une locomotive de 1953 qu'ils ont entièrement rénovée. C'est exceptionnel parce que finalement, il en reste très peu en service. Peut-être 3, 4 maximum. C'est un monument historique. Alors qui est vieillissant, mais encore en bon état. C'est fantastique. Parce que ça vit, ça vibre. Et c'est une machine qui a presque 4 fois mon âge. Donc forcément, c'est une fierté de pouvoir conduire une machine aussi ancienne. Ça paraît incroyable de pouvoir faire rouler des engins aussi anciens, aussi simplement. Bon, on l'entretient pour le plaisir des passagers. Et c'est dans notre cœur à nous de vouloir préserver le plus longtemps possible cette voie pour qu'on puisse montrer le paysage au plus de personnes possible et le plus longtemps possible surtout. Ces fous de train ont installé leurs wagons de collection sur les voies de la petite gare de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cette voiture, à son arrivée, elle était dans un triste état. Celle-là, elle aurait fini effectivement à la ferraille si on n'avait pas racheté, ça c'est clair. Elle est magnifique, cette voiture. Parce que c'est le travail collectif, c'est un travail commun, enfin, c'est notre travail qui est là. C'est un résultat extraordinaire. Elle a été remise dans son état d'origine, tel qu'elle circulait jusqu'à la fin des années 60. À l'intérieur, tout a été patiemment restauré pour replonger les voyageurs dans l'univers des trains mythiques de la compagnie des wagons-lits. C'est une compagnie qui a été créée par un Belge qui a eu un rêve fou, qui s'est dit « je peux faire circuler des trains à travers l'Europe pour des voyageurs qui avaient envie de dormir dans des trains confortables, luxueux et de pouvoir manger à bord ». Il faut savoir qu'à la fin du 19e, je voulais aller de France en Allemagne, je ne pouvais pas prendre le train à Paris directement jusque Berlin. À la frontière franco-allemande, il fallait changer de train pour prendre un train allemand. Là, avec la compagnie, je vais de Paris à Berlin sans problème de changement de train, je reste dans la même voiture. C'est une révolution. Prochain objectif pour les bénévoles, rénover cette voiture restaurant qu'ils viennent d'acquérir. Pour restaurer une voiture comme celle-ci, c'est 20 à 30 000 heures de travail. De travail de bénévoles, plus l'intervention d'entreprise. Donc c'est un nombre d'heures énorme. C'est un nombre d'heures énorme. Rénover un wagon, oui. C'est entretenir son histoire, faire un wagon neuf. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, le wagon n'a jamais roulé. Bah oui, tout va être clinquant, brillant. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que peut-être sur la carrosserie, il y aura encore des petits points d'usure. Même si la carrosserie sera toute propre. Regardez, on peut voir sur la carrosserie, là, l'année 1940, c'est l'année de la mise en circulation de la voiture.
L'association a racheté le wagon à un camping qui voulait en faire un logement. Mais le projet n'a jamais vu le jour. On a les banquettes d'origine, elles sont à peu près complètes. Il y aura peut-être certainement du nettoyage, mais après de la réfection. Et puis ce qui est intéressant, c'est que certaines boiseries sont encore en bon état. Oui. Les globes, les lampes, là, sont complets. Bon, là, il y a quand même des choses qui sont très abîmées. Les vitres ont été cassées. Bon, enfin, c'est pas méchant. Voilà, c'était une 56 places, hein, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui mangeait dans cette voiture. Et il y a beaucoup de travail de boiserie à faire, mais c'est pas si moche que ça. Si tout va bien, cette voiture roulera de nouveau en 2020. En attendant, comme tous les jours en été, ...80 passagers se sont offerts un voyage pas comme les autres. Ils vont revivre le temps d'un déjeuner, la magie de l'Orient Express. Maxime est aux commandes du train. Là, on va passer un passage à niveau où... il y a pas mal de circulation, donc je veux bien vérifier qu'il se ferme correctement. Allez. On va dire que le voyage commence. Pour cette découverte du Haut Bocage, l'association fait appel à une équipe de professionnels pour le service. Dans la cuisine, un chef prépare le menu du jour. C'est toujours plus compliqué que dans une cuisine ordinaire, quoi. C'est ça. Mais sinon, non, ça va, bon, on s'adapte. C'est les mêmes cuisines que dans l'Orient Express, donc c'est vraiment agréable de travailler dans un cadre comme ça, quoi. On voyage dans l'espace et dans le temps. On revit un peu ce que les cheminots d'époque vivaient, quoi. Pendant un court terme, mais c'était agréable. Quand je lève la tête, on voit le bocage vendéen tout le long du trajet du train, pendant tout le repas. C'était sympa, ça fait plaisir de travailler dans un cadre comme ça. Comme on dit qu'on travaille dans un train comme celui-ci, les gens, ah bon, c'est super, mais tu es en balade tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un mélange de loisirs et de travail en même temps, même si c'est très sérieux. Voilà, c'est tellement agréable qu'on oublie qu'on travaille, on est dans un cadre exceptionnel. Le convoi poursuit son voyage à travers le bocage. On doit anticiper le mouvement de chaque personne qui peut se trouver auprès de la voie. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et donc il faut être au maximum de sa concentration en permanence. Siècle, le train était en pleine expansion et donc il y avait un maillage très très fin du territoire par les voies ferrées qui allaient dans les villages les plus petits, les plus retranchés pour que ces villages ne soient pas justement isolés du reste de la population. Cette ligne, inaugurée en 1914, est une mémoire vivante en fait de ce maillage très fin.
découvrir le paysage aux passagers, parce que je leur fais découvrir un peu là où on passe tout notre temps à notre association. Et oui, c'est un peu l'accomplissement de tout le travail qu'on fournit, de pouvoir leur montrer là où on travaille, ce qu'on a aux alentours, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'entretenir. La voie ferrée peut faire perdurer la possibilité de voir des paysages aussi beaux. If I had an inch, I would give you a mile.